Le Liban a subi lundi l'une des journées les plus meurtrières de son histoire, avec près de 500 morts causées par les frappes israéliennes. Face à cette escalade, Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne, a tiré la sonnette d'alarme, avertissant que le conflit entre Israël et le Hezbollah risquait de dégénérer. L'intensité des combats, avec les bombardements des deux côtés, chacun a sa propre responsabilité. Mais nous voyons comment les civils au Liban paient un prix intolérable, inacceptable. Nous parlions de 500 personnes tuées et de 4400 personnes blessées. C'est quelque chose qui échappe à toute considération concernant les victimes civiles. Et encore une fois, la Convention de Genève est violée en raison de l'utilisation d'explosifs à distance, sans prendre en compte l'environnement dans lequel ils explosent. La guerre en Ukraine était également à l'ordre du jour, avec le haut diplomate exprimant sa crainte que la Russie cible les infrastructures énergétiques ukrainiennes avant l'hiver. Pour soutenir l'Ukraine, nous avons proposé à la Commission de mobiliser jusqu'à 35 milliards d'euros pour un appui militaire et économique qui doivent aller de pair. Il est inutile de fournir un générateur aujourd'hui s'il est détruit le lendemain. Ce n'est pas juste détruire et remplacer. Nous ne pouvons pas tout remplacer, car ce serait un processus sans fin. Josep Borrell a salué la riposte de l'Ukraine. Il a annoncé que le G7 examinera bientôt l'utilisation d'armes à longue portée.